Merci à tout le monde d'être venu pour l'inauguration de ce site que nous avons mis en service il y a déjà quelques mois. Et nous attendions d'avoir fait un peu l'essuyage des plâtres et pour inaugurer ce 24e centre de multibureaux. Alors multibureaux, qu'est-ce qu'on offre? Vous avez vu un petit peu en visitant l'immeuble et très rapidement, nous aimons, et c'est un peu ce qui nous démarque d'ailleurs de nos confrères ou concurrents en général, c'est que sous un même toit, ici, nous offrons vraiment 4 ou 5 services de nature assez différentes qui vont d'un simple service de domiciliation à un espace que vous avez vu, un espace de travail dans notre espace spot, espace partagé, a aussi la possibilité de louer un bureau, une salle de réunion, une salle plus grande pour une heure, un jour, une demi-journée, et également d'évoluer dans la vie professionnelle, de louer un bureau mensuel où on est chez soi de façon permanente. Et en général, nos clients restent deux fois plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu au départ, donc on s'en réjouit beaucoup, mais c'est aussi parce que probablement ils trouvent que le service est agréable et pratique et utile. Donc voilà, donc merci de nous accompagner, merci d'en parler, n'ayez pas peur, de nous envoyer des tas de clients. Nous avons déjà un taux d'emplissage qui est un peu supérieur à ce que nous avions prévu, donc c'est plutôt un bon démarrage. Et il n'y a pas de raison que ça se continue pas, parce que d'abord nous avons une bonne équipe, un bon centre, et je pense un réseau aussi qui va pouvoir alimenter un peu le remplissage de cet immeuble, et avec le bouche à oreille qui naturellement se développe dans tous les centres que nous ouvrons et qui nous fait à terme signer un bureau sur deux par des clients qui viennent justement par cet effet bouche à oreille. Comme vous le savez, effectivement, nous vivons un moment de mutation concernant la façon de travailler et de gérer les espaces de bureau. Et lorsqu'on voit la qualité et la beauté de ces espaces proposés par Multibureau, on se dit qu'être nomade, parfois, ça a du bon. Et je vous souhaite donc une bonne bulle avec nous. Voilà. Merci. Comme nous sommes attachés, comme je l'ai dit, à faire des prestations le plus qualitatives possible, nous nous sommes attachés ce soir les services de Dominique Dubier, qui est ici présent, qui est l'artiste qui expose ses photos. Voilà, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis un amoureux de la photographie, ceci déjà depuis bien des années, puisque déjà à l'âge de 18 ans, j'ai reçu mon premier appareil photo de la part de mon papa. Et je dois dire, depuis ce moment-là, la photographie, ça a été vraiment quelque chose de très important pour moi. Au point que pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un véritable besoin de me retrouver dans la nature, à des heures souvent improbables, où la majeure partie d'entre vous préfèrent dormir d'ailleurs. Un pont, ça permet de faire une liaison, de lier des personnes, des cultures, des peuples. Ça permet aussi un passage vers un autre univers, de fuir une certaine réalité ou de se rapprocher de l'inconnu, que ce soit une personne ou que ce soit un lieu géographique. Voilà, merci. Merci à tous. Et maintenant, vous savez bien philosopher sur les photos, et je vous propose de vous sustenter agréablement. Donc, sur la réalité.